Oh, bonjour monsieur Benzaï Live pour la suite de Sifu S. Sifu ! Eh bien, en tout cas, le premier stage s'est plutôt bien passé. Nous avons désormais 25 ans. Donc, ça fait déjà 5 ans qu'on a tué notre premier adversaire. Enfin, on a tué notre premier adversaire au bout de 5 ans. Il est temps désormais d'arriver dans le club pour continuer, eh bien, notre. Ralassage, je ne sais pas, tabassage en règle de toute la Chine, du Japon. Dans ce jeu par les Français de chez Slow Clap, qui est vraiment très très cool. C'est vrai que c'est assez intense, on suit un peu de l'arrêt. Le côté roguelike, je ne sais pas si ça va me plaire perso. Tu vois, là, pour l'instant, j'aime bien parce qu'on a fini le premier niveau du premier coup. Mais je serais mort et il aurait fallu tout refaire. Je sais pas si ça m'aurait plu en stream et tout, de tryhard. Mais c'est un jeu de tryharder. On va voir du coup comment se passe le deuxième niveau qui paraît est un certain gap de difficulté. Moi, taper des sbires, ça m'allait très bien. C'est un peu comme si Tequila n'avait pas de flingue. En tout cas, on a le choix homme ou femme et ça, c'est cool. Ah, mais c'est vrai qu'on s'est pas assez servi de ça, là. Ah, le mec est mort d'un coup. Ah oui, les victimes. Alpha disait que le level 2, c'est le plus dur de tout le jeu. Ah ouais. Le troisième, le niveau dont le plus de joueurs bloquent à l'heure actuelle. Ah ouais, d'accord. Donc là, ça va être... Relève-toi, Seyar. Mais j'ai vu, mais MV, il avait débloqué carrément une glissade là, ça avait l'air craqué. The Club. Yeah? What do you want? Sean, where can I find him? Guys, we got a problem here. La fameuse stratégie. Nerves get the better of you? Ah, les mecs, ils commencent à... Ils commencent à tanker, quoi. Nique ta mère. Ah putain, il y avait une batte de baseball ici. Que je pourrais tenir comme une batte de baseball. Et comme toutes les battes de baseball, elle va exploser après 3 coups dans la bouche. J'ai déjà plus de vie. Voilà, à mon avis, ça j'ai vu MV, ça va être un peu plus chaud là. On va pas aller au fin fond du truc. Hein. Ouvrir le truc. Aha! Come here.
Ah, ce mec, s'ils étaient pas entourés par des connards aussi. Putain. Mais c'est un sbire en fait. Tiens, la blondasse! Ok, ok, oh putain! Ah, la glissade! Hey, tu peux sauter comme ça. Connard! Oh putain! Des fois, il y a des mecs qui sont allés craquer là, pour rien! Il con, va! Oh là là! Avec le bâton, quoi, bailliage puissant. Relève-toi, Seiya. Ça fait pas assez mal ce truc là. J'ai pris, on s'est échangé la bouteille quoi. Saloperie. Eh merde putain, attends, ah merde c'était LB putain. Chiasse. J'ai appuyé sur le mauvais bouton alors que j'ai appuyé sur le truc. J'avais débloqué le truc qui permet de jeter les de rattraper les bouteilles quoi. Oh putain, on commence. Voilà, je commence à faire de la merde. Je commence à faire de la merde, le jeu commence à être dur. Et en plus, le mec est mort quoi.
Et elle en a 30 ans, putain. Oh là là. 2 ans avant de se marier. Non, mes parents me déshéritent, quoi. Bon. C'est peut-être un peu gratuit. Et quand même, je tiens à dire que dans le jeu Indiana Jones, quand il y avait un billard, tu pouvais prendre toutes les balles et tirer à l'infini sur les mecs. C'était une vraie strat, hein. Tellement pas juste que je lui fais, quoi. Mais t'as vu le peu de vie que ça leur enlève, quoi. Le système de combat Indiana Jones, c'était très très bien, hein, dans les jeux. Hein. Le mec faisait la vaisselle, il se mange une droite, la base. Merde, il y a des gros, ils ont plein de PV. Oh putain. Putain, la balayette, elle sort mal, quoi. C'est un hareng. On comprend pas tout. Oh là là, Mister MV, en parlant de Sifu. mon dieu, le Sifu du streaming. LB au bon moment en disant au sol, ok d'accord. On va se faire un truc pour pouvoir... Bonjour à tous, on joue à Sifu, on essaye d'être meilleur que Mister MV. Je dis ça, je dis rien. On a fini le premier niveau à 25 ans au Pro First Try. Du coup, je pense que ce jeu est fait pour moi. Même si la marouflance et n'est pas au rendez-vous. En plus, on joue avec une fille, donc c'est un peu différent. Parce que bah, c'est plus dur. Non, pas du tout. Ça fait 1 million de personnes. J'espère que ça va bien. On joue à Sifu, donc si vous avez regardé Mister MV, vous devriez ne pas être... On est au club, et le club, je galère. En fait, sur le stream de MV, je pensais que... MV a fini à 24 ans. La première fois ? Les gens disaient, il était déjà à 60 ans arrivé à ce boss là et tout. On m'a menti alors. On est 8000. Attendez, mais moi j'ai vu un raid de 3000. 8000 quoi? Bon. Ah ouais, merci beaucoup MV, franchement. C'est grave gentil. Je ne sais pas quoi dire. Merci beaucoup. Trop gentil. Je vais essayer de faire en sorte que les gens se marrent bien. Non, le first try, plus de 60 ans. Merci, arrêtez de dire des bêtises. Un raid de 5860. Oh là 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 là. Merci. Mais place au jeu. Merci, planète. Place au jeu, hein. Voilà pour... mais je te remercie énormément, Xavier. C'est un hareng. Si Denver le dit. Voilà la stagiaire. Là, tout le monde a taffé ses combos dans la vraie vie, quoi. Waouh, 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 waouh. Ah, et le coup sur le crâne, il fait trop mal. Merci Cousper, merci Papy. Mais je ne sais, j'ai plus rien à débloquer, je meurs trop souvent, là. C'est un hareng. Fine. Get up.
À chaque fois que je meurs, le mec était en train de crever de toute façon, quoi. Ça me frustre un petit peu. Bon, est-ce qu'on prend la batte de baseball avec nous? Est-ce qu'on pourra revenir plus tard? Il y a beaucoup, beaucoup de consommables ici. C'est les meilleurs, eux. Oh, tchou 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 tchou! Vous avez pas vu The Raid 2, par contre, vous méritez de le voir. Enfin, le film mérite que vous le voyez, quoi. Ah, oh, faut aller dans la fosse, là. Oh là là. Merci, Agathis Blu. Oh non, il y a... Ah non, il y a karaté, ah non. Docteur Sifu, quel est votre cerveau? Les mecs, en fait, ils étaient en train de s'exploser, mais... ils étaient tous copains. Et tu vois, là, par exemple, j'ai commencé à courir et je voulais faire la glissade, en fait. Mais non, putain, oh, on prend si cher dans le jeu. Oh, c'est chaud, quoi. Ah oui, d'accord, tu fais des rouvirages permanents, tu peux mettre 500 plus 500. Tu peux vraiment farmer sur une même run une seule skill pour l'avoir après tout le temps. Ok. Oh, 43 ans, ça y est. Ah oui, t'as pas de barbe. Ah ouais, d'accord. Oh, t'es petit. Ah ouais, mais le mec est passé en mode Super Saiyan, là. Et c'est ça, c'est qu'en fait, il y a aussi une skill où tu peux utiliser encore, même s'il reste qu'un petit bout de l'arme. Oh! Oh non, Mamie Nova, 49 ans, ça y est! Oh là, c'est, là, ça va être dur. Là, ça va être dur. En même temps, vous avez vu. Le jeu, là, il fait pas de dé- Oh, mais non, mais non! En fait, ça va, ils ont pas une grosse garde, les gros, mais alors putain. En fait, j'aurais dû focus sur lui plutôt que sur le mec avec plein de vie. Mais là, putain, je galère. On a passé 25 ans! On a passé 24 ans dans ce stage! Dans les gens civent. Bah du coup tant qu'à faire Mais si je l'ai vu ce combat chez MV. Ah mais je sais pas comment on parle à ce coup central là. Oh putain. Ah ouais, c'est très très dur. Merci Lucas. Lucas. Ah oui si. J'avais vu, en fait c'est ça, c'est que MV il l'avait totalement cheesé. Saloperie.
C'est ça, il l'avait coincé dans le décor là. Putain, quelle arnaque. Ça c'est si gratuit. De toute façon, ma Minova, elle a plus le temps quoi. Oh, merde, putain, ils sont 1 million. C'est ça, oui. C'est ça. Putain. J'avais beaucoup de bouteilles de bière, cela dit. Je joue bien. Bah ouais, mais dès que le perso a plus de 2 PV, je me chie dessus. Et le jeu, c'est si fu. Mais bon, par contre, on sent bien que ça fait mal. Hein. Qu'est-ce qui se passe ? Les lentilles, quoi. Joystick garde arrière. Qu'est-ce qui se passe ? Par contre, c'est totalement ce genre de système de combat dont devraient s'inspirer les prochains Batman et tout, parce que franchement, c'est tellement... C'est sensiblement un truc similaire, mais avec du skill, quoi. Et c'est la satisfaisance, quoi. Ish! Ah ouais, le jeu il fait très très mal. Et bon, je suis vraiment très très offensif. Hein. Sean! Classics to Sean. Comme quoi, il y a aussi un. Ah mais eux ils tankent des... Mémé. On va arriver à 66 ans, ça va pas le faire du tout. Je m'achète pas un barré bâton à moi. C'est dur. Hein. Mais non, elle a 66 ans, ça a très mal se passer. Techniquement, quand on joue la fille, ça devrait durer plus longtemps. On devrait pouvoir jouer jusqu'à 88 ans. Ouais, il va nous faire la misère. Elle.
Ah, un vrai bâton, merci. Après, en fait, quand il va vraiment falloir apprendre par cœur les boss, je vais peut-être galérer. Hein. Kick ta mère! À la fin, on va ressembler à Fargos, l'elfe d'Oblivion, quoi. Ouais, ça, j'avais vu le boss, je crois, chez MV. Il me rappelle justement dans Ninja Gaiden 2, le deuxième boss, c'est pareil, il faisait le tri chez les gens. et le fait qu'il, du coup, il faisait le tri chez les gens, et j'ai l'impression que c'est le cas aussi de celui-là. C'est cool, ça fait farmer aussi mon alphabet Zarbi. Le coffre du... Je disais à Tomium, hein, c'est qu'après quand tu refais quand même les levels dans les autres runs, c'est plus rapide. Bienvenue dans Mortal Kombat. Ah non, encore des sbires, mais là j'avais envie de me tuer là. Ah ben ils avaient raison. Je suis un old child. Je sens que ça va pas le faire. Ouais, merci Luxfos. 71 ans. Patty Suzanne, Kung Fu. Allez, ramenez-vous là. Mais comment je fais? De toute façon, je peux plus rien faire là. C'est la mort, c'est la mort, c'est la mort, c'est la mort, c'est la mort. Mais je crois que c'était 91 ans. T'as 71. Frappe à main nue, ça fait hyper mal, pas les armes. Ah, ok. Donc là, j'ai 25 ans. Mais du coup, je peux faire le club dès 25 ans? Ah oui, d'accord. Parce que le maximum que j'avais, c'était 25 ans à la fin du premier stage. Donc là, je peux, par exemple... refaire les squats pour essayer d'arriver plutôt à 20 ans ou à 21 ans, mais je vais jamais ne pas mourir une fois ou deux. Par contre, j'ai deux clés. Vous avez vu? Et donc on va tester ce petit jeu là. Par contre, putain, oh là, le deuxième stage, ouais, c'est pas autre chose, c'est pas la même. Hein. Je crois qu'il y a pas un le 14-17, ça va être les collectibles. Ça a l'air. Je sais pas combien il y a de stages, mais. Déjà là je sue, mais bon ça fait qu'une heure et demie qu'on joue au jeu. They've blocked the entrance to the warehouse. Need to find another way inside. Get lost. Là j'ai pas les clés. I warned you, asshole. Les esquives sur place. Hey, mais du coup j'ai pas la glissade. Et comment on regagne de la vie d'ailleurs?
Là, j'ai l'impression de faire de la merde. On peut passer par là, mais ça, c'est pas le raccourci de base. Junkies. I don't think there'll be a problem. Merde, je regardais pas. La porte en bas, c'était gauche. Là, là. Ah. Du coup, j'arrive où, là? J'ai pas l'impression de connaître, ici. Raccourci vers le boss. Ah ouais, mais on va se faire défoncer. Ah ouais, d'accord, génial. Putain, on s'est fait défoncer. Ouais, du coup, je préfère abandonner. Ah ouais, putain, c'était... Oh là là, ça va tellement être le tryhard, parce que du coup, tu arrêtes, tu refais, tu veux perfectionner le truc, tu reviens 10 fois. Ouais, mais il y a 2 mecs avec des battes de baseball direct, quoi. Ça t'empêche de spectre aussi. Ouais, je vois. Ouais. Et là, j'ai vu, il y a des gens, ils font déjà des runs full. Je finis le jeu à 20 balais. Et du coup, comme tu peux jouer pour du beurre, du coup, c'est addictif, quoi. Arrière avant triangle, ça fait une belle balayette. Bah ouais, je sais. Oh, le mec, putain, il a l'esquive du dragon, quoi. Nique ta mère. Et surtout eux, là. C'est vrai qu'ils ont pas beaucoup de vie, mais quand même. Il y a quand même un truc là. Ah ouais, d'accord, je comprends après, c'est... Tu finis, t'es en transe dans le jeu, quoi. C'est en vrai, je trouve que ce jeu ressemble énormément au rythme d'un Ninja Gaiden 2 ou Black. Ceux qui y ont joué, confirmez-moi. Je pense que c'est une des gros, parce que franchement, le rythme des combats marche beaucoup comme ça, quoi. Avec beaucoup d'attentes, beaucoup d'esquives, beaucoup de just frame, pari et tout. Et ensuite, après, tu mets des coups chargés qui font des petits trucs, quoi. Mais par contre, je trouve ça plus dur à appréhender que Returnal, par exemple. En fait, c'était bien d'arriver par les escaliers parce que du coup, ils cassaient pas les couilles.
Ah, si les mecs sont un peu weak. Et lui par contre, putain, c'est quoi ces PV quoi? Ah, il est chaud, j'aurais dû m'en douter. Pour eux, il est pire. Effectivement, les chauves ont moins de points faibles parce qu'il peut pas leur tirer les cheveux. Ah, par contre, putain, des fois, tu leur mets un peu cher et. Sérieux? Ah, oh, putain, l'autre est passé en mode énervé quoi, ok. Une barre de fer ou un grand bâton, parce que le grand bâton on le débloque contre le boss, mais c'est tout quoi. Parce que le bambou pour être chinois avec vos putains d'usines de bambou de merde. J'imagine le dialogue. Sifu a vraiment des Sifu a des petits problèmes de progression culturelle. Et le power trip est réel, hein. Il y a peut-être un collectible là dans les trucs. Ah mais je veux aussi les dégâts des armes. Et durabilité. Durable et très dur. Dur et durable. C'est mon deuxième prénom. Attention, je vois passer dans le chat des brochettes yakitori fromage, des brochettes bœuf fromage, comme si, par exemple, les Japonais n'avaient jamais eux-mêmes adapté quoi que ce soit pour plaire à différents publics. Vous savez pourquoi les California Maki s'appellent des California Maki? Parce que les restaurateurs japonais, aux États-Unis, en Californie, comme les Américains n'aimaient pas trop voir l'algue autour, ils l'ont mis à l'intérieur. C'est eux qui ont fait ça. Et les ramen, c'est chinois. Et oui, bien sûr. Non, mais l'alphabet. Mais bref. Donc, en fait, c'est pas grave qu'il existe des brochettes bœuf fromage qui plaisent en France et qui sont pas vraiment ce que tu manges au Japon. De toute façon, au Japon, tu peux manger des brochettes de mini camembert frit. Et c'est écrit camembert en français dans le texte. Tu crois qu'ils s'en battent les couilles et qu'ils vont s'excuser? Pas du tout. Et en plus, c'est un jeu d'inspiration chinoise et pas japonaise. Mais ça, j'ai toujours pas la clé, hein.
Et bien sûr, les brochettes de camembert fromage, c'est dans des yakiniku, hein. C'est pas dans des... Ah merde, putain, les trucs à volonté, là, que tu recommandes à l'infini, les trucs là où tu loues un box, vous allez m'aider. Reste appuyé sur A pour passer. J'ai tendance à spammer la roulade, enfin la parade haute. Parce qu'en fait, il m'a souvent eu avec son fauchage, lui. Voilà. Pim, pim! Je vais jamais le tuer en... Franchement, si je gagne un an, c'est bien. Hein. Enfin, si je gagne moins de 25 ans... Ah mais attends, le truc que j'avais farmé... Ah si, voilà, j'ai besoin de l'acheter qu'une seule fois. Izakaya, merci. Mais je suis con, je l'ai pas débloqué le YYY, ça sert à rien d'essayer de le faire. Et du coup là je suis comme un nouveau-né. Faut vraiment en fait jouer sur les bases quoi. C'est un rang. Seul c'est pas terrible alors que garde joystick. Tu dodges toutes les attaques, tu peux riposter derrière. Mais c'est garde base quoi. Et quand il fait fauchage, il faut faire garde haute. T'as rien assisté qu'il faut faire ce mouvement-là, là. De toute façon, s'il fait fauchage, il faut... Putain, mais il est plus énervé que la première fois, quoi. J'attends pas la fin de son combo pour taper. Il s'en prend des coups dans la bouche, hein. Je sais que je vais remourir. Voilà, c'est sûr. Voilà, le premier truc. Putain, mais merde, il était mort, sa mère la pute! Voilà, entre ceux qui disent esquive, ceux qui disent fait garde basse, ceux qui disent fait garde haute. Mais bon, on est passé de 25 à 22. L'esquive, c'est justement garde plus joystick arrière. Mais non,
Bah, genre, en fait, expliquez-moi, parce que... Il y a vraiment un dodge. Il y a un bouton, c'est petit dodge, quoi. Et il y a garde basse. C'est joystick arrière, c'est garde basse. Ça. Rester appuyé là et faire bas, ça fait ça. Mais faire bouton même sans bouton, ça c'est esquive. Oui, mais sauf qu'en fait, quand ils font des fauchages, il faut faire vers le haut. Oui! Oui, mais c'est ce bouton-là, en fait. Vous rendez zinzin. L'esquive dont tu parles, c'est juste un dash. Oui, mais du coup... Et donc, en fait, c'est ce que j'appelle garde basse, parce qu'en fait, c'est pour passer sous les coups. Et garde plus bas. On peut appeler ça arrière, mais... Private party. Come back off. J'ai 22 ans maintenant. Any regrets now? Proté lustré. Ça passe sous tous les coups sauf la balayette. D'accord. Mais très bien. She has a weapon. Et si un bouton d'esquive magique, on va finir le jeu. Là. À dire qu'on n'est pas arrivé à la fin de ce club, qui en fait était un temple Shaolin. La dernière fois. En fait, c'est que depuis tout à l'heure, je dis oui, garde basse quoi, garde plus bas. Qui sert à dodge, qui est le truc qui passe au-dessus. Ça, est-ce que vous êtes tous nuls en fait? Merde! J'essaie de les tuer un peu plus legit que la dernière fois, quoi. Ah ça y est, l'autre il s'est énervé là. Viens me battre, viens te battre, allez. Aïe. On dirait que tu t'es incrusté dans la mauvaise soirée. C'est vrai que c'est très Viet Vo Dao, le plus noble de tous les arts martiaux, quoi. Viet Vo Dao, Viet Vo Dao, le Krav Maga, c'est pour les blaireaux. Lâche-moi cette bière. J'ai laissé ma bière là-bas. Et là, j'ai pas débloqué la glissade. Donc du coup, en fait, ça faut pas trop se...
Ah, le jeu est ultra intense. Hein. Ça fait grave plaisir. La dernière fois, lui, c'était trop énervé, là. Et au final, c'est le gars du bar qui s'est énervé. Coup de poing dans le bide, tiens, clac, boum. Heureusement que la mise à mort est cancel de toutes les autres attaques, quoi. Ah oui, il y a un emplacement de level up que j'ai zappé, merde. Voilà, et du coup, là je joue la carte la safeisance. Voilà, j'ai débloqué désormais l'anti-bousculade. Ça, ce sera pour toujours. Et comme ça, là, j'ai envie de l'avoir aussi. Encore une fois, putain, on me rend encore contre un connard qui allait de toute façon, qui était sur le point de mourir là, ça saoule. Alors j'ai zappé un shrine. Oui, qui est là, c'est vrai. Et c'est comme le dernier boss là, il est mort alors qu'on était en train de le tuer quoi. Bon, je joue beaucoup les armes, mais bon, comme le deuxième boss est avec un bâton. Je vais le tuer avec une hache. Bâton. J'ai fait le niveau 1 en boucle pour dérouler plein d'avantages comme un gros sac. Bah oui, bah c'est. T'as le droit. Hein. Je pense que le jeu même t'y encourage. Hein. Lui, il a pas de peau parce qu'il est vraiment à côté. Il est à côté de deux bouteilles, donc en fait il prend direct cher quoi. Gorge. Merci beaucoup. Et dodo maintenant. Ok, TP. Comment t'évites ça, bordel ? Oh putain ! Putain ! Mmh. Oh non !
Le gros, il était mort, lui, là. Oh, mais non, mais putain, mais comment on évite ça, là? Je suis sûr d'avoir fait le dodge arrière, quoi. Ah ouais, parade plus bas, ça marche, là, contre le tacle. Je suis sûr de l'avoir spammé, quoi. Je suis sûr d'avoir tenté un truc, hein. On perd 2 ans là-dessus, quoi. On a 25 ans, donc. On a le niveau qu'on avait quand on a commencé le stage 2. Le frame est dégueulasse sur le grab des gros. Ok. Il y en a une qui s'était chauffée là. Putain, mais comment je prends cher? Et puis là, en plus, là, j'ai... J'ai pas le temps, t'as pas le temps de changer la cam, donc des fois, waouh, des fois elle se place de façon trop bien, et puis des fois, bon. Persuadé que tu fais plus mal avec une batte de baseball à l'envers. Oui, eux, c'est la gratuite. Hein. Ah non, du coup, il a pas la batte de... je peux pas revenir en arrière pour la batte de baseball. Putain, ah ça, c'est vraiment abusé. Putain, je l'avais laissé derrière exprès. Oh. Ah mais eux, ils vont me détruire. Ah oui, d'accord, mais non, mais ça, c'est n'importe quoi. C'est bon, quoi. Ah mais non, mais le dodge, il sort pas, quoi. Des fois tu fais avant arrière, tu fais au bas Y et il y a des mecs derrière, du coup ils tapent le mec derrière au lieu de... Ah ouais, putain, là ça a esquivé, quoi. Mais non, putain, et là je jure que j'ai fait la même esquive, quoi. Putain, non mais dodge arrière qui sert à rien. Ah, c'est si frustrant, ils sont trop forts. Fuck. Ah, c'est la pire attaque du jeu. Bon, on va essayer la strat de MV là. You are not supposed to be part of tonight's group. Let's end this quickly. You disappoint. Ok, ça a pas marché le MV skip. Ça a l'air bien. Hein. Faut le taper dès que tu as validé le dialogue. D'accord. Ah putain, mais je rage comme un putois sur le jeu, quoi. Ah, il fait si mal.
Oh! Il m'a niqué! Là, il donne pas de vie, hein. Ça fait le drôle de le voir se battre. Non, mais c'est ce que disaient les gens dans le chat la première fois qu'on l'a fait, en mode genre « Ah, il se bat comme ça, ok, on n'a jamais vu la phase. » Je crois que j'ai pas fait ce... Je crois qu'on n'est pas passé par là la dernière fois. Je comprends pas où je vais, quoi. Ouah, j'ai ouvert de l'autre côté. Ah, d'ailleurs, c'est drôle parce que comme on a fait un podcast avec Genius sur les films de Kung Fu, lui, il dit Ip Man au lieu d'Ip Man. C'est l'homme, l'homme IP, quoi. Un, deux. Ils ont le même look que les persos dans Red Steel, quoi. Oh, putain. Voilà, et le mec, finalement, c'est un Okage. Oh, non, mais non, sérieusement. IPv4 ou IPv6, c'est ça? Ah voilà, 34 ans. Je pense qu'on est quand même mieux que notre première run, mais pas tant que ça hein, en fait. Hein. Enfin, on a gagné 3 ans sur le premier stage. En plus, on était vraiment à pas grand chose de le séphiser. Oh là là, mais il défonce! En même temps, on voit pas ce qui branle quoi! Là, là je m'énerve. Ah oui, c'est ça qu'on m'avait dit, ouais, c'est que genre plus tu joues bien, plus il y aura des mecs craqués, donc du coup faut mal jouer. Le but c'est de jouer suffisamment bien et mal en même temps pour qu'en fait il y ait quand même que des sbires. Mais du coup, je suis pas du tout passé par là la dernière fois. Oh là là, mais putain, mais il m'y arrive plus rien là. On a bien joué jusque là. Je vais le tester ce coup de pied lourd là. Ah tiens, pouf, un coup de pied dans les couilles de ton pote. Merci. Ah, j'ai 42 ans, ça y est, je suis Céline Tran. Ah oui, le DJ, putain, c'est... merde, comment il s'appelle? Attention, être Céline Tran, c'est très stylé. Hein. Elle fait des films de Kung Fu et tout. Oh là là, putain. Ah, c'est le DJ, c'est le boss subsidiaire, quoi. Prends ça, Benjamin Daniel. Mais c'est tout. Mais qu'est-ce qui me barre? Qu'est-ce qui... Je débloque même pas des clés pour le prochain truc. Ouais, c'est Dead Mouse. Vous rigolez, mais Céline Tran, stun double de Michel Yeo. Hein, donc le jour où vous arriverez à ce degré de légitimité dans Kung Fu, vous m'appelez. Ah ah, oui voilà, ça fait moins les malins. Là je m'en souviens de cet endroit. Oh shit.
Hop là. Avec ça là, ça devrait aller bien là. Putain, je récupère pas tellement peu de vie. Oh là là. Personne ne parle au DJ me dire bah non, tu niques sa mère, c'est tout. Enfin genre pourquoi on ferait autre chose? La structure. Ah oui, la structure, c'est la garde. Wow, qu'est-ce qui se passe? Putain, j'ai débloqué un truc là. J'ai pas de. C'est un Fantominus. Il me faut une Pokéball. Mais j'ai plus de Pokéball, merde. Je peux pas en crafter. Je n'ai pas de noix et de matériaux. Ah, mais bravo! On a acheté ça truc! Grosse débile, va. Je me bats avec quoi maintenant? MV qui devrait dormir. Je le vois. En train de maroufler le sommeil. Enzai is starting to believe. Alors eux je les ai enculés. Ah mais là regarde, là j'ai presque repris toute ma vie. Tiens, 1, 2 patates. Mais s'il y avait un truc en mode genre tu peux donner 5 patates par terre comme dans Yip Man, c'était bon quoi. Putain, et les coups ils font si mal. Ah les sanctuaires te remettent full HP. Ah oui d'accord, donc c'est important. Putain, j'avais jamais fait gaffe en fait. Deux, trois, quatre. Oh putain! Oh, tu vois, des fois la caméra elle devrait quand même être un peu plus sympa, quoi. Putain, j'ai cru que j'allais crever là sur une patate de l'autre blondasse là. En moins, mes PV. Les épreuves. Bob Lennon School of Acting. Je raconte ma vie. Nya nya nya. Ouh. Laisse-moi te poker dans les yeux parce que la technique de la blanquette royale est née en Chine lorsque la moustache. Oh non, par contre. Meurs, s'il te plaît! J'en ai marre de crever contre des persos qui ont un PV, quoi. C'est bon. Bon, c'est dommage qu'on puisse pas choisir son type de jeu. Bah oui, son type de kung-fu. Bah. Éventuellement, étant donné que la plupart du budget est passé en mocap d'un seul style, ce serait bien que le budget soit quadruplé, effectivement. Je pense que Slowclap, ils sont d'accord. En open world aussi, ce serait mieux. Merde, putain, j'ai tenté un truc. J'ai tenté de la maroufler direct. Ouais, vas-y, je vais acheter deux fois ça. J'essaie de farmer les trucs comme ça. Quand je recommencerai, je me frustrerai pas qu'il manque un truc ou quoi. Oh là là, ça va si vite!
elle nous a pas défoncé comme ça la dernière fois, quoi. Et le jeu est très cool, hein, franchement, l'intensité des combats. Je sais pas si on la ressent aussi bien en stream. Je pense qu'en en fait, quand tu voyais les trailers et les reviews, tu te rends pas compte en fait si c'est tryhard ou quoi. Et en fait, le jeu, la sueur du jeu, elle est là-dedans, quoi. Et du coup, franchement, je tiens à dire que c'est. Effectivement, c'est une intensité rarement atteinte, quoi. Enfin, si, dans un Ninja Gaiden. Si vous jouez à Ninja Gaiden 2, par exemple, et d'ailleurs en 4K sur votre Xbox One X, d'ailleurs, c'est un peu le même genre de. Il n'y a pas un système de roguelite pour farmer avant, hein, c'est marche ou crève. Hein. Ça arrive, ça on l'avait. Je pense un indice qu'on avait déjà vu. Il n'y a pas un autre shrine là parce que je suis en PLS. 45 ans, fais-moi. C'est un vieux monsieur. Vieille dame. Ouais putain, la lesbire de Chang Tsung, ils m'ont un peu niqué ma mère quoi. Ah bah oui, c'est eux qui m'ont tué. Enfin, ils m'ont téléporté à 70 ans. Oh non, putain, direct dans les boyaux. Ça valait le coup. Ah mais pourquoi tu vises l'autre? Tiens, moi aussi. Je vais te faire un coup de space-fond dans les ovaires là, ça te fera du bien. Putain, le nombre de parades just frame que tu tombes dans le jeu, quoi. Ah putain, j'étais là genre, c'est cool, au moins il fait pas de fauchage. Mais si. Oh putain, qu'il est fort. Mais ses combos sont infinis, quoi. Nique-toi. Putain, on l'a même pas fini, quoi. On va arriver, le boss il va nous éternuer dessus, on va mourir quoi. Bon, il y a un shrine, je suis vieille. Regain structure après une esquive. Monte la structure. Mais il paraît que ce boss meurt quoi. Les échos d'un testeur qui avait demandé un tiers temps pour passer le deuxième boss parce que bon, il était malheureux quoi. Sachant que par contre les boosts de puissance et tout, tu peux pas les. Tu peux pas les safeiser pour les prochaines runs quoi. Ouais, il a la paume. C'est Zulman. I recognize that uniform. It represents a school for the weak and evil. Ça va être comme Sekiro, va falloir apprendre à jouer au jeu quoi. Oh putain mais oh non mais j'ai pas le temps de faire mon truc.
Oh non, putain. Allez, c'est parti, 52 ans. Attends, je croyais que j'avais un truc. Mais putain, il est chaud! Il y a quand même de la vie avec la garde avec bâton. Oh putain, c'est horrible. C'est un sac à bébé, si je lui montre pas sa barre. Eh hey, mais il spamme tellement! Ah, il y a un mode photo. Non, bah d'accord, on découvre. Ah, mais c'est trop bien. Forcément, faut que je teste le mode photo, genre une frame, et c'est n'importe quoi déjà. T'as la caméra! Oh putain! Soixante-trois ans! Putain, dire que c'est que le début. J'avais vu qu'il y avait une deuxième phase chez, chez MV. Il va me défoncer. C'est stylé de revoir après les cutscenes dans différents âges et tout. You're almost as good as Yang. I thought he was unchallenged at that old bastard school. Who are you? A ghost from your past. Here to put an end to this sideshow. To the sideshow. You picked the wrong person to haunt. Ah merde, putain, il tape en bas. Oh, il triche. Ah putain! Ah oh, le truc dans la tête là! Oh, bah là c'est la dernière là! 69 ans! Personne est what the fucké par le côté Benjamin Button de cette histoire. Ah oh, putain le fauchage! Je sais pas comment l'envoyer, je sais pas comment l'enchaîner hein. Je ne sais pas comment l'ouvrir. Ça va, ils sont gentils avec la mémé quand même. Il y a quelque chose que j'ai pas compris, faudrait que je regarde un... Ah ! Quelqu'un le défoncer.
par contre, il prend cher. Oh non, mais regarde, je prends un coup, je meurs. Full esquive en connaissant tous ses patterns. Après, je dis ça, j'ai pas réussi encore. Non, mais c'est sûr qu'il y a une strat pour vraiment l'enculer, quoi. Genre, franchement, je l'esquive de ouf, mais quand je le tape, il se passe pas grand-chose, quoi. Aïe, aïe, aïe. Oh, le dernier combo lui a fait vachement mal, mais putain... Avant qu'il accepte de prendre cher alors que tous ses coups sont armor. En fait, c'est un des trucs un peu frustrant dans le jeu, c'est que les persos, dès qu'ils se tapent, ils sont armored et pas toi. Et du coup, tu tapes beaucoup dans des mecs qui font leur animation, qui font leur lambada, et ils sont là, toi tu tabasses, et ils sont là genre... Il esquive jusqu'à ce qu'on son coup fatal, après il est épuisé genre 5 secondes. Ah, peut-être que j'essaye trop d'arriver, quoi. Ouais, il y a des bâtons sur le côté de la salle, mais étant donné que j'avais 60 ans, mes poings étaient plus puissants. Putain, qu'est-ce que tu prends cher dans le jeu, oh là là. Merci exactement ce qui m'a fait trop sortir du jeu. C'est vrai que c'est un peu compliqué, quoi. Je peux débloquer des coups armor, oui, mais pas tous. Faut le tuer avant de mourir. Ouh là là. D'accord, le perso a zéro ouverture, c'est parade, esquive ou rien. Ouais, et du coup... Atto avait raison pour changer, c'est... Effectivement, ouf. Pas de tour.